plantes mutantes sont énormes, même pour la flore de Pandore. Il est peu probable que ce gaz soit d'origine naturelle. Quelqu'un l'a fabriqué. Le gaz a été soigneusement conçu pour augmenter la biomasse à une vitesse exponentielle. Pour les mines, le gaz prend une petite plante pour en faire une grosse et oui, oui, oui. La création de ce gaz requiert une compréhension avancée de la biogénétique que je me dois de qualifier de brillante et titillante. Nous devons maintenant comprendre comment le gaz infecte l'homme. Il va me falloir des échantillons, notamment de matière cervicale, ce que j'aime à appeler la purée grise. Nécessaire pour synthétiser le gaz et créer nos propres légions de terrifiants hybrides mi-plantes mi-hommes. Eh ben ça tombe bien, c'est pas prévu. Oh, on croirait entendre le comité d'éthique universitaire. Enfin tant pis, retournez au backburner et envoyez-moi ces échantillons. Je commence à manquer d'iridium. Je vais faire une dernière recherche dans la zone. On se retrouve au campement. Thank you.
ces échantillons aussi vite que possible. J'ai fait tous les préparatifs et je me suis entièrement dévêtue pour qu'il ne reste plus rien entre cette combinaison de laboratoire en fibres synthétiques et moi-même. La sensation est fort agréable. C'est moi, pardon. Oui, je voulais me scanner le popotin, juste pour voir, et j'ai cassé ce bidule. Il n'y a qu'à lui faire un petit high-five de bandit. Moyen de retourner à Sanctuary. Hé, Lilith, Griffouille et moi, on a une super vue depuis Mount Scarab. Je crois qu'on a trouvé un moyen d'accéder à Sanctuary. Mordecai, contente de t'entendre. Ah, j'allais quand même pas te laisser combattre sans moi. Oh merde! Préparez-vous! Je vois des bataillons de Batavia d'Hector qui se dirigent vers vous! Ellie, va falloir se battre. Les défenses sont prêtes? Presque. J'aurais besoin d'aide pour mettre d'autres tourelles en ligne. Chasseur de l'Arche, il y a une clé de force sur la table là-bas. Prends-la pour moi, tu veux bien? Ça répare n'importe quoi en 2-3 coups. J'ai installé un point d'étranglement à l'extérieur du campement. Active-moi ces tourelles, chasseur de l'Arche. Visuel, Lilith. Je te préviens si je vois quelque chose.
l'oiseau de Mordecai. Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Griffouille? Mordecai s'est fait attaquer par des monstres? Chasseur de l'Arche, suis Griffouille! Continue à suivre Griffouille. On a déjà perdu trop de monde. On peut pas perdre Mordecai. C'est le meilleur éclaireur des pillards. On se bat ensemble depuis le premier jour. Surmonter le chagrin. On n'aurait jamais vaincu Jack sans lui. Les pillards écarlates seraient pas ce qu'ils sont sans Mordecai. Exposé à une contre-attaque. Alors, si le pillard abat de la stratégie militaire, j'ai déjà fait renforcer ma porte avec 9 mètres de tritanium, bande de crétins. Un point pour Hector. Oh, c'est un trou de balle 4 étoiles, mais il a encore raison. Merci,
La porte est trop épaisse pour que je la traverse. Reviens au campement, on va trouver une solution. Viens par ici. On doit trouver comment franchir cette porte. Cassius est notre unique chance de sauver Mordecai et de reprendre Sanctuary. Le Tritanium, c'est costaud, Lilith. Va falloir une arme surpuissante et on n'a pas vraiment ça sous la main. Dis, Lilith, et le tir lunaire d'Elios. Ouais, ça pourrait marcher. Bandit, t'as passé du temps dans Elios. Tu crois qu'on devrait faire marcher le canon de tir lunaire? Ah oui, bien entendu. Mais je préfère vous prévenir. Pour entrer dans Elios, vous allez devoir traverser les Burrows. Amusez-vous bien, sans mourir! J'aime pas trop me servir des armes de Jack, mais si ça permet d'avancer, je prendrai sur moi. Oh ouais! J'ai hâte de voir ça! Survivre aux Burrows! C'est un rite de passage chez les bandits! Tu sais quoi? Si jamais tu survis, je te nommerai vice-chef! Les scarabées? Je pensais que c'était juste une vieille histoire de fantômes chez les bandits. Des types de dattes, chasseurs de large. Tu pourrais m'aider à recruter un peu de monde? Bon, avec cette attaque, tous mes petits gars d'Elios ont été tués ou changés en arbres. Tu pourrais montrer aux bandits du coin qu'on est les meilleurs, par exemple en tuant les chefs des autres gangs et en leur volant leur territoire? Un truc tout bête, quoi. Je suis un peu déçu. Il y avait quand même de sacrés morceaux dans le lot. Mais bon, c'est les risques du métier, pas vrai? La vie de bandit! Contente que Scooter soit plus là pour voir ça. Sanctuary, c'était comme son bébé, tu sais. C'est vrai qu'il a laissé une dizaine de vaisseaux à moitié finis un peu partout sur Pandore. Mais au moins, il en aura terminé un avant de... Désolée. J'ai besoin d'une minute, Trésor. Dis, Trésor, j'ai une mission importante pour toi. Je ne sais pas si tu sais, mais mon fils, Scooter, il est mort récemment. Il est parti comme je l'ai toujours connu, en héros. Moi, j'ai fait mon deuil. Mais avant qu'on s'enfuit de Sanctuary, j'ai trouvé un message écho dans ses affaires. Adressé à toi, chasseur de l'Arche. Salut, chasseur de l'Arche. Dans le cas vachement probable, où je me serais fait bouffer par un dino, ou emporté par une explosion, j'ai décidé de te nommer
exécutateur de mon testamentoire. Oh, mon doux bonnet. Ok, pour commencer, récupère tous mes magazines cochons pour la postériorité. Quand t'auras ramassé toute ma collecte, essaye de lui trouver une belle famille, ok? Pensez que j'ai un petit boulot pour vous, si ça vous ennuie pas de vous salir les mains. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai pas besoin d'un de ces diplômes pour aider les gens. Et je crois que je suis tout à fait capable de guérir ces pauvres types changés en arbres. Mais pour ça, je vais avoir besoin de matière à étudier. Vous pourriez me rapporter ce qu'il reste quand vous abattez ces plantes? Comme ça, je trouverai un remède miracle, et personne pourra plus dire « Hé, ce type est pas médecin !» Sortez-le de cet hôpital pour enfants! Surtout gardez ça pour vous. Mais j'ai aussi un objectif secondaire pour mon petit projet. J'essaie de me faire remarquer par Tanis, vous comprenez? J'aime bien le galbe de son éprouvette graduée, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Vous avez ramené un soldat infecté au campement? Mince, j'arrête pas de me dire que vous avez touché le fond de la connerie et vous creusez encore un peu plus loin. Oh, on va lui faire avaler sa salive. Mais d'abord, Helios. Très bien. Donc, ces tunnels, c'est le territoire sacré des bandits. Et moi, je m'assois complètement sur le code des bandits en t'expliquant comment entrer. Mais personne ne saura jamais rien, ils sont tous morts. Alors, il te suffit juste d'exploser la barrière et l'écouter. Les vers des sables devraient pas s'échapper, normalement. Pour sa littérature. Ça t'intéresse? Oh, c'est... Je sais pas si je peux accepter.
une offre si généreuse.
comprendront. C'était la bonne. Hector se sert de votre clé de l'arche pour produire du gaz en grande quantité. Il en aura bientôt assez pour recouvrir Pandore et créer son paradis. Mais le processus tuera tous les habitants de la planète. Nous sommes des tubes à essai dans sa centrifugeuse. Oh, alors vous avez reçu ma vidéo. J'attends votre réponse. Je peux savoir. Laissez-moi vous dire, moi, assis sur mon trône au paradis, mourant dans la solitude, tandis que vos branches mutantes s'en mêlent comme un pretzel triste. Un point par corps. Comme le jardinage.
encore des buissons un peu plus loin. Mais vraiment pas de quoi s'inquiéter. Thank you.
est venu de se venger des porteurs piratés par Hector pour massacrer ce clan. On a plus urgent à faire, Vaughn. On a besoin de ce canon de tir lunaire pour débloquer le passage vers Cassius. C'est notre seul espoir de sauver Mordecai. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Je te file un paquet de mix dans mon lit, pour me manger. Une petite minute. Occupe-toi du tir lunaire. Compris. Compte sur moi. Allô tout le monde, on ouvre ses oreilles. Cours de balistique express. Je suis le professeur Boom. Leçon numéro uno. Ces obus normaux vont même pas gratouiller une grosse porte en métal.
On a besoin d'une forte pénétration du blindage. Alors pendant que moi je vais construire le missile, je vais vous demander de me trouver les explosifs qui vont dedans. Pas du cours! Oh mon Dieu! Je pensais à du dragon, ça a donné ça. Charge les explosifs!